Moi, dans mon scénario, il y a écrit « Sors un flingue ». Comment vous faites maintenant? Ben, on vous dit au revoir et désolé pour le dérangement. Vous avez du pognon? Madame Van Hoppus, usual table. Oh, yes, thank you, merci. Oh, no, wait, sorry. She was wondering if a Mr. De Winter could sit with her. Monsieur Maxime De Winter? Oui. It is the choice of Monsieur De Winter, where he wishes to be seated. Oh, yes, of course. Merci. Conflict is often a necessary evil, especially in the colonies. Oh, but colonialism is so last century. I suspect one shouldn't occupy a princess with such matters. Vous êtes Vincent, le footballeur. Docteur Picard, c'est moi qui viens d'opérer votre maman. Et le pontage s'est très bien passé. Oh, on a eu votre père à la clinique ici il y a 3 ans. Toute la ville est venue lui faire des courbettes, hein. Le maire, la femme du maire. Quel homme c'était, hein. Si vous préférez, plaisir, médication. Oui, oui, maman, je sais lire. Hein. Non, je sais pas. Le message est bon, hein, c'est la formulation qui est pas assez punchy. Je sais pas, moi j'attendais une accroche plus forte, plus chaleureuse, je sais pas. C'est bon, merci, c'est terminé. Bonjour, Président. Bonjour. Vous en êtes bien sorti, hein, bravo. Non, mais je tiens à lui, Valérie, hein. Je suis prêt à le prolonger même dans son état. 5 millions. Quoi, 5 millions? Le chiffre qui reste chez vous. Mais pour l'instant, il est blessé, un footballeur unijambiste, ça vaut pas 5 millions. Moi, j'opère pas. C'est de la boucherie. Mais oui, laissons ce pauvre type mourir tranquille. J'ai un truc dans la tête. Il faut m'enlever ce que j'ai dans la tête. Murgésique, toutes les 2 heures. Du 30. Alex. Quoi? Non, rien. Je me disais que ça pourrait être utile que David participe à l'enquête. C'est un bon criminologue. J'ai pas besoin d'un psy pour cette enquête. Ah, criminologue. C'est pareil. Pas exactement. Enfin, t'as pas oublié. Tu voulais qu'on se marie en jean, à fleurs, en chemise à franges, parce que tu supportais pas... Comment tu disais déjà? Ah oui, ces conventions bourgeoises. Un copain qui vous harcèle? Vous étiez où ce matin? Non mais vous m'accusez, c'est ça? D'abord, je suis pas obligé de répondre, parce que je suis chez moi ici. Si vous avez des questions, arrêtez-moi. C'est le cas? Non? Alors tirez-vous, fermez la porte en sortant. J'ai été jeune, moi aussi. Je sais qu'on commande pas toujours ses sentiments. Et puis je sais aussi que parfois il nous égare. Alors choisis bien. Des substituts, qu'est-ce que vous avez pris? Des opioïdes, pour tenir. Mais j'ai déjà diminué les doses. Et comment vous les avez eus? J'ai volé des ordonnances à mon conjoint. Faut pas se battre, faut jamais se battre. C'est pas la bonne solution. C'est quoi la bonne solution? C'est que tu t'en fiches de ce que les autres pensent, hein? Elle traverse une ménopause difficile. Elle suit un traitement? Hormonal. C'est son médecin traitant qui lui a prescrit. C'est peut-être un effet secondaire. Peut-être, oui. Jusqu'à présent, elle avait l'air de bien le tolérer, hein. C'est pas vrai. Oh, écoute, c'est rien. Il a peut-être juste envie de passer un peu de temps avec son ami, c'est tout. Ouais. Ou avec Isia. Alors, Isia, on l'a rencontrée avec Marie-France et... Elle est un peu particulière, cette fille, hein. C'est-à-dire? On sait, de sources sûres, qu'elle consomme... du shit. Attendez, de quoi vous m'accusez, là? Ah bah de l'avoir tué. Mais ça va pas. Mais jamais j'aurais fait une chose pareille, enfin, vous me prenez pour qui? Pour un type qui exploite les faiblesses d'un couple pour les arnaquer. Mais... Je suis agent immobilier depuis 40 ans. Jamais aucun client n'a porté plainte contre moi, enfin, vérifiez.